Bonsoir à tout le monde et bienvenue dans un nouvel épisode de Assassin's Creed Odyssey. Et on se retrouve ici pour... Telle est la question qu'on se pose tous. Que doit-on faire maintenant? Qu'est-ce que je dois faire? Une date à régler, ok. Une dette à régler. Ok. Donc Marcos a eu une autre idée de génie pour payer cette dette. Voilà le Cyclope. Il assurera Alexios. Donc parlez à Marcos. Ok. Ah, ok. C'est. Oh, d'accord. En fait, c'est comme dans Breath of the Wild, en fait. Ok. Quelqu'un veut attirer mon attention? Mon cheval. Oui, mon cheval. Oh là. Opa, opa. Allez, on y va. Là, tu peux courir normalement. Est-ce que j'enregistre ou je fais le con? J'enregistre. Je vais vérifier quand même. Ah. Oh. C'est pas ce que je voulais faire. Ne vous inquiétez pas, tout va bien. Coucou. Ah, te voilà! Et ce n'est pas trop tôt. C'en est fini des bandits. J'ai récupéré le bois de la factrice d'Arc. Je n'en avais jamais douté, mon ami. Alors? Ton plan? Oui, le Cyclope et moi avons une petite affaire de drachme à régler. Une affaire qui te concerne aussi, mon ami batailleur. Nani. Et c'est à cause de toi si ça me concerne, mon ami. C'est vrai. Mais je te le jure, ce sera la dernière fois. Oh, si seulement. Ces hommes, je sens que Marcos va me mêler dans beaucoup de merde. Bon, allez. Je t'écoute. Qu'est-ce que je dois faire? Nous devons faire, tu veux dire. Je suis le cerveau et toi les muscles. Alors, c'est une tâche en commun. Si tu le dis. Réfléchis. À quoi le Cyclope tient-il le plus? Ses hommes? Ses terres? Ses navires? Non! Son œil en obsidienne. J'ai cru entendre du bruit. Viens-en au fait, Marcos. Très bien. On va le lui voler. Tu es fou? Tu lui empruntes des drachmes et tu veux lui voler son œil? Si on le lui prend, on gagne! Et ensuite, on le vend. Et nous faisons d'un œil deux coups. Et s'il bouge, je lui ferai perdre les deux yeux. Non, non! Le Cyclope ne doit être au courant de rien. Il ne faut surtout pas qu'il te voie. Dans ce cas, mon nouvel arc me sera utile. Il garde son œil chez lui. Il y tient trop pour prendre des risques. Un choix logique, jusqu'à ce que tu lui prouves le contraire. Alors attends que la nuit tombe, faufile-toi et rapporte-moi cet œil. J'espère qu'il vaut quelque chose. Tu connais le prix de l'obsidienne sur Kefalonia? Je n'en ai jamais vu. Et c'est pour ça que c'est très cher. Ouais, c'est vrai. C'est de l'obsidienne, mais il contient de l'or. De l'or! Voilà pourquoi il le garde pour les grandes occasions. Donc on le vend pour pouvoir le rembourser? Hélas, pas totalement. Un vignoble, ça coûte très très cher. Ah. Je sens qu'on va faire ça plusieurs fois. Enfin, pas forcément voler ça, mais des choses quoi. Des quêtes. Tu trouveras son repère. Très bien. Mais ne t'avise pas de te montrer radin. Radin? Pourquoi tu dis ça, Alexios? Parce que c'est la vérité. Apporte-moi l'œil et je te prouverai le contraire. Mais souviens-toi, personne ne doit te voir. Je sais. Si tu réussis, le Cyclope n'accrochera pas nos têtes sur son mur lorsqu'il reviendra. Ok.
Reste à trouver cet œil. S'il est aussi précieux que le dit Marcos, il doit être caché. Ah, les aptitudes. Ça, j'ai pas compris. Pas compris. Enfin, j'aimerais comprendre, mais... Ok, 2 points d'aptitude. Et du coup, je fais quoi? Ah, Miro, d'accord. Ok. Coup de patte spartiate. J'adore. Non. Allez, pourquoi pas. Ok, d'accord, je comprends. C'est pas ce que je voulais faire. Donc c'est comme ça. Ok, d'accord. Donc est-ce que les barres dorées se chargent ou pas? Bonjour, l'œil. Je te vois. Ok. Mais c'est par là, non? Ah, peut-être je regagne... Je regagne le truc doré... Je sais pas, en attaquant, en utilisant... je sais pas. Peut-être. M'attaquera sans poser de pied, doit me cacher. Si je ne fais pas de bruit, les buissons feront l'affaire. Ok. Ok, parfait. Pourquoi la musique? Oh non, personne m'a vu là. Ok. Par Zeus, le cyclope ne plaisante pas. Malak, cet œil doit être vraiment spécial pour être aussi bien protégé. Ah bah ça. Reste hors de vue. Ouh. Ça me plaît ça.
Oups, c'est pas ce que je voulais faire. Bon, allez. Allez, viens. Bon, bah écoute. Si tu viens pas, je viendrai à toi. Nice. Ok, pour l'instant personne ne me voit. Oh, il y a des animaux sauvages. Ok. Cache-toi. Ok, bon. Personne ne s'est rendu compte. Allez. Merci. Quoi ? Faut que j'en ai le cœur. Nice. Merde. Voilà. Bon, normalement, il n'y a personne parce que l'aigle a tout vu. Normalement. Qui va monter? Ok.
Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi je peux rien faire? Bon, bizarre. Voilà. Voilà, on peut sortir d'ici. Normalement, pas de problème. Allez, mon cheval. Bon, c'est par là. Désolé, monsieur. J'ai un peu trop marché sur vos vignobles. Est-ce qu'on peut descendre sans se casser la gueule? Voilà, comme ça. What? Qu'est-ce qu'ils font là-bas? Allez, ça dégage. Voilà. Voilà ton argent. Alors, est-ce que j'enregistre? Yes. Allez, tiens. Attention! Tu sais combien il y avait de gardes là-bas? Crois-moi, j'ai entendu le raffut. Tout le monde a entendu le raffut. Je ne t'avais pas dit de te faire discret. Bon, ça va, personne ne m'a vu. C'est peut-être caillou. Ce caillou vaut autant qu'une maison, mon ami. Oui, mais pas assez pour rembourser le cyclope. Oh, ne sois pas comme ça. On s'est bien amusé, non? Ouais, bah oui. Ouais, tu n'étais pas là-bas. J'aimerais que tu arrêtes de m'entraîner dans ce genre de choses, Marcos. Ça va marcher. Ce n'est pas prêt de se finir. Pourquoi je te mentirais? Tu veux vraiment une réponse? Prends l'œil, mais ne le vends pas. Aucun acheteur ne croira que nous l'avons eu de manière licite. Tout le monde sait à qui il appartient. D'accord. Plutôt ta poche que ses paupières. Ça suffira pour aujourd'hui. Quéré, Marcos. Attends, j'ai vu un bateau. Et je ne le connais pas. Et? Il est trop beau pour ce trou perdu. C'est sûrement le cyclope. Et il a ramené des amis. Il est de retour. Oh, on peut dire que le sort s'acharne sur moi. Élimine-les. Ça nous fera un souci de moins. Putain, Marcos. Et d'ailleurs, ces étrangers doivent être riches comme Crésus. Le cyclope les paie bien. Tout le monde va y gagner. Tu verras. Pourquoi pas? Qu'est-ce que j'ai à perdre? La vie, peut-être. Mais tu ne perds jamais, voyons. Bon, où est-ce qu'ils sont?
dans une maison abandonnée de la côte Est. Qui sait quel trésor ils ont dans leur repère ? Envoie-les chez Hadès et emporte tout ce qu'il y a. Nous serons riches ! Je garde une partie de ces trésors pour moi. C'est ça ou rien. Pas une seule drachme pour celui qui t'a renseigné ? Le reste servira à payer ta dette. Nous sommes d'accord. Oui, oui, d'accord. Maintenant, va apprendre à ces étrangers la devise de Kefalonia. Tuer ou être tué. Putain, c'est agréable de vivre à Kefalonia. Ok. Donc c'est là-bas, je suppose. Ah bah non, c'est même pas là-bas. Nous arrivons, ils ont débarqué, voilà. Non, lui, c'est une maison abandonnée. Putain, mais là, c'est bien la mission, là, non? Ouais, c'est ça, mais pourquoi il y en a plusieurs? Elles se battent? Attends, c'est comme dans Link. C'est trop drôle. Bon, allez, on y va. La maison abandonnée et les gens. Ok. Rien d'autre. Ah, il y avait un truc par ici. Il y a pas mal de trucs là quand même. Ah mais non, c'est dans la grotte, non? Ouais, je pense que c'est sur la grotte. Attends, mais la cible elle est où là? Ah ouais. Il y en a beaucoup quand même, hein. Ok. Nice. Allez. Caché. Allez. Allez, viens. Par les dieux, ce bruit va me rendre fou. Hey ! Personne m'a vu. Personne m'a vu. Je suis invisible. Personne m'a vu, je suis totalement innocent. Ah donc en fait il faut insister pour qu'ils viennent, ok. Oh là là.
Voilà. Oh bah. C'est qui lui ? Waouh. J'ai pour habitude de laisser ce travail à d'autres. J'imagine que tu ignores comment relever cette tâche. Si tu approches, le sang va encore couler. Peut-être, mais tu ne connaîtras pas ma proposition, Mystios. Nani. Un vrai massacre, du très beau travail. Le sort de tes compagnons te laisse froid, on dirait. Mes compagnons, mes employés. Enfin, anciens employés maintenant. Ah bah ça. Donc, tu ne travailles pas pour le Cyclope. Ne me dis pas que tu crois aux créatures mythiques. Pas le monstre. L'homme. Tu n'es pas d'ici. Que fais-tu sur cette île ? C'est vrai, je ne suis pas de Kefalonia. Mais ce que je suis venu chercher est ici. Si tu veux bien me suivre, Alexios. Il connaît mon nom, Nani. Qui es-tu ? Comment connais-tu mon nom ? Je suis Elpenor de Kira. Comment je connais ? Kira comme Jojo ? J'ai fait comme toi. J'ai demandé et des gens me l'ont dit. Dis-moi qui t'envoie. Tu es d'un naturel curieux. Ce sera utile, ça. Tu en sais plus que tu m'en dis. Te connaître est dans mon intérêt, comme me connaître est dans le tien. Une chose de valeur m'a été volée et emportée à Ithaque. Le voile tissé par Pénélope. Je veux que tu le reprennes. Le voile de Pénélope ? La femme bah oui. Tu plaisantes ? Un morceau du voile, oui. Impossible. S'il existait, il n'aurait pas de prix. Voilà pourquoi je veux le récupérer. Ithaque n'a rien d'un îlot. Il va falloir m'en dire plus. Commence par la maison d'Ulysse. Enfin, ce qu'il en reste. C'est un récit émouvant, tu sais. Leur retrouvaille. Le voile de Pénélope. C'est moi, les voix sont basses. Tu plaisantes ? Putain. Ah ouais, elles sont basses, là, quand même. Parce que là, j'entends rien. Ah non, non, tout au maximum. Un morceau du voile, oui. Impossible. S'il existait, il n'aurait pas de prix. Voilà pourquoi je veux le récupérer. Ouais, ça, j'ai déjà vu, ça. D'accord. Je ok. Ferai. Ce sera sûrement difficile. Oui, mais tu vas me payer. T'inquiète. Très cher. Alors, c'est entendu. Au port, il y a une barque. Prends-la. Elle n'est pas faite pour la haute mer, alors sois prudent. Quand tu auras le voile, retrouve-moi au temple de Zeus. Très bien. Au fait, Mystios, n'échoue pas. Bah oui, ne t'inquiète pas, enfin, j'imagine. D'accord, mais en fait, c'est quoi le rapport avec le cyclope ? Parce que oui, d'accord, le cyclope, cyclope, mais... Bon, bah écoute. En route pour la maison d'Ulysse dans un petit bateau. Ah, allez. Pas le moment d'agacer Poséidon. Et comment je m'enlève ? Mais... Oh là là. Ah d'accord. Ah c'est comme ça. Oh là là. Le voile de la légende.
Elpenor n'a pas menti. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre? Ok. Donc, a priori, ici, il n'y a personne. A priori. Donc, on peut y aller. Normalement. Voilà. Donc, on va essayer de monter pour le trésor. Aïe. Pendant toutes ces années sur Kefalonia, je n'ai jamais réalisé que le palais du puissant Ulysse était là. Nice. Il y a quelque chose d'étrange là-bas. Ah. Je vais venir voir. C'est pas ce que je voulais faire. Allez. Allez, cours. Bon, on me suit plus. Voilà. J'espérais mieux de ta part. Putain, je m'attendais pas qu'il y ait aussi loin. Il est là. Voilà. Qu'est-ce qu'il fait ? Allez. Et allez. Ah.
Ouais, ça dégage. Voilà. Le voile de Pénélope en personne. Enfin, en tissu. Oh, ah, 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 qu'est-ce que t'es drôle. Hilarant. C'est une femme. Coucou. Voilà. Voilà. Non, t'as rien vu. Mais viens quand même voir. Voilà. Rien. C'était rien. Je m'affole sans raison. Nice. Coucou. Merci. Bah t'as rien quand même. Bon bah c'est bon. On peut repartir. Alors un bateau. Est-ce que j'ai besoin d'un bateau? Là-bas. Ok. Allez, on y va. Il est vraiment beau le jeu, hein. Enfin, Assassin's Creed en général, ils sont très beaux et... il est vraiment pas mal celui-là. On dirait, enfin, on dirait de l'espagnol, quoi. Fait pas dans ce qu'ils disent, mais dans la prononciation, dans comment ils prononcent les mots. On dirait vraiment de l'espagnol, un mélange d'espagnol et italien, enfin méditerranéen, quoi. Parce qu'au final, c'est les langues qui se ressemblent, en tout cas dans la phonétique. Coucou, ma boy. Alexios. De bonnes nouvelles ? Oui, comme tu vois. Bien joué. Désormais, le voile est à toi. Tu n'en veux plus ? Après tout le mal que je me suis donné ? J'ai trouvé quelque chose de plus précieux aujourd'hui. Pour ta peine, Mystios. J'avoue que je me suis demandé si tu me mettais à l'épreuve. Peut-être. Tu es doué, Mystios. Dis-moi, et si je te proposais de tuer un général en Mégaris? Tu toucherais le double de ce que tu as reçu aujourd'hui. Ça t'intéresse? Cela t'emmènerait très loin de Kefalonia. Si loin que tu risquerais de ne pas revenir. Un peu comme Elise. Les généraux sont aussi des mortels. Bien. Alors. Attendez, je vais pas dire dans un jeu qui s'appelle Assassin's Creed que je ne suis pas un assassin.
J'accepte. Bon, allez, flemme. Parfait. Il te faudra un bateau. Tu en as un, n'est-ce pas? Bien sûr. Bien, j'espère qu'il est robuste. Et pourquoi ça? Les eaux sont chaque jour plus dangereuses. Eh oui. La guerre approche et le loup est dans le mauvais camp. Ah bah oui, la guerre du Péloponnèse, bah oui. Contre qui? Toutes les nations du monde grec sont prêtes à s'égorger. Tu vivais au fond d'une caverne? Non, sur une île. Je ne te décevrai pas. Une fois ta tâche accomplie en Mégaris, retrouve-moi au débarcadère des pèlerins en Phokis. Ok. Il me faut un bateau. Je devrais aller voir celui qui en construit. Bon, allez. On y va. Oula, oula. Je suis pas de taille, je suis pas de taille. Je m'en vais. Je suis pas assez fort. Est-ce qu'il peut se calmer? Il peut se calmer. Ah! Mais putain, mais cours! Est-ce qu'il me poursuit? Non. Ah bah si, il me poursuit, ouais. Allez, va-t'en. Tu m'as vu? Ah non, non, il m'a pas vu là. Ok. Coucou. Bien beau bateau, Téléménès. Alexios. C'est vrai. Il est prêt à prendre la mer pour le bon capitaine. Combien veux-tu pour t'en séparer? Je ne le laisserai pas à moins de 100 000. 100 000 ? 100 000 ? Qui possède une telle fortune ? Quelqu'un qui songe sérieusement à acheter un navire. Tu crois qu'on laisse partir pour rien une si belle ouvrage ? Et si je te proposais de l'obsidienne en échange? Je te dirais que j'en veux toujours 100 000 drachmes. Et même en admettant que j'accepte ton obsidienne, ce navire exige un gros équipage. On est à Kefalonia. C'est vrai. Les affamés et les miséreux prêts à travailler gratuitement pour pouvoir quitter cette île, ça ne manque pas. Les eaux sont dangereuses. Enfin, plus que d'habitude. Ce serait du suicide, ton expédition. Tu n'es pas très encourageant, Téléménès. Oh, et sans vouloir en rajouter... On raconte que le cyclope en a après toi et Marcos. Bah oui, c'est Marcos. Putain, Marcos. Les rumeurs disent aussi que son navire est dans la baie de. Il est en train de me mettre dans des. Son navire, tu dis? Dans des bordels. Il va falloir que je fasse un tour à Kleptos. Fais attention. Ce borgne n'est rien d'autre qu'une brute. Je pourrais à la fois prendre son bateau et m'occuper du cyclope. Oh non, 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 pas lui. Alors, le cyclope est revenu à Kefalonia, selon les rumeurs, il aurait mouillé. Il aurait mouillé au centre de la péninsule de Pronoï. Trouvez-le dans la baie de Kleptos. Ok. Ok, pas de route à suivre, super.
Est-ce que je peux aller par là? Normalement, oui. Allez. Pardon. Bah oui, mais là tu te mets devant. Hein. Allez, cours. Pardon. Je dois rester hors de vue. Ah. OK. Il se déplace juste au moment. Incroyable. Pile au moment, quoi. Allez, va-t'en. Le cyclope. Ah, le fameux. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi il court comme ça? Pourquoi il court comme ça? Bon, bizarre. C'était un village agréable. Mais c'est devenu l'antre du crime et de l'anarchie. Ah bah je vois ça. Oula. Oh, que les dieux m'en soient témoins, je le jure. Lesquels de dieux? Quelle différence ça peut faire? Tous les dieux, je le jure, laisse-moi! De toute ma vie, je n'ai jamais entendu un homme parler autant des dieux! Laisse-le partir. Ah! Personne sur cette île n'a le droit de prononcer ce mot! Il a dit cyclope? Il t'a fait de la peine. Je n'ai pas. On m'appelle comme ça! Je ne l'ai pas. Pourtant, tu es gros. Enfin, grand. Et puissant. Et il faut reconnaître que tu n'as qu'un œil. Mon œil. Allez, rends-le-moi. Rends-le-moi et je ne tuerai pas Marcos pour t'avoir dit de le voler. Alors maintenant, rends-le-moi. Tu le veux? J'en étais sûr. Va le chercher. Oh là là, c'est un peu énervé. Fuyons. Ah. C'est un peu énervé. Ah.
Allez, fuis. Allez, comme ça, ils vont pas t'attraper. Nice. Voilà. Est-ce que je récupère de la vie, s'il te plaît? J'ai pas récupéré de la vie. Comment je fais? Allez. Ah! Cours. Au passage. Putain, mais tu cours rien du tout, quoi. Mais vraiment, genre rien. Cours pas. Allez. Ok. Alors, j'espère qu'il récupère pas de la vie. Mais depuis où? C'est qui? C'est Talos? Ah, c'est lui le cyclope. Ok, d'accord. J'ai combien de flèches? 19. Ok. Ok, c'était une mauvaise idée. Mais où est-ce que tu vas? Où tu m'attraperas pas. Est-ce qu'il m'a vu? Non. Super. Voilà. Ouh là là. Qu'est-ce qu'il y a à faire? Attends, peut-être si j'arrive à... Peut-être si réussir à le pousser avec le truc spartiate là.
Je vais attaquer sa position. Putain, mais il me laisse pas viser, hein. Je vais t'avoir. Oui. J'aurais dû refuser. Voilà. Et ben voilà. Bon, maintenant, allons tuer le cyclope. Oh le bâtard. Range ça. Allez, monte. Moi je m'en vais. Pendant que ça charge. Voilà. Voilà. Si tu veux bien me suivre. Allez, viens. Je t'attends. Allez. Coucou. Adios. Allez. Tu as tout. Et voilà comment on m'appelle. Quel bande de chiens. Nous ne sommes pas tous comme ça. Trouve-le en me ramenant voir mon frère. T'avances. Si tu le fais, on a retenu. Je vais. Non. F. Voilà. Désolé. Ah bah c'est lui. Voilà. Mieux vaut ne pas traîner. Alors, ça fait combien de temps que j'enregistre là? Ah, ça fait déjà une heure. Ah ouais. Même les chiens comme lui ont des amis sur Kefalonia. Ah bah ça. Par Zeus, ces brigands de Kefalonia ne plaisantent pas. Heureusement que tu es de mon côté. Ils ont l'air d'avoir peur de toi. Bah ils ont bien raison, hein. Tu vas où là? Je ne
ne sais pas comment te remercier. Après avoir passé presque toute ma vie en mer, je n'aurais pas aimé me noyer dans une jarre. Ah bah ça, ça aurait été mort. Un peu nul. J'ai oublié mes bonnes manières. Barnabas, capitaine de la Drestia. Ah bah voilà mon capitaine. Barnabas, ravi de te rencontrer. Je m'appelle Alexios, je suis Mystios. Mais c'est quoi Mystios? Je suis sûr que tu es bien plus que ça. Qu'est-ce que tu veux dire? Quand on m'a plongé la tête sous l'eau, j'ai prié les dieux. Et quand j'en suis ressorti, tu étais là. Je suis la réponse à ta prière. J'ai répondu. Beaucoup prétendent avoir du sang divin dans leurs veines. Et toi, je suis prêt à croire. Alors comme ça, tu as un navire. Bah, je veux. Il n'est pas dans mes projets de finir ma vie ici. Et où est-il? Grâce à toi, il est toujours au port de Samy, où je l'ai laissé. Puisque j'ai sauvé ton navire et ta vie, je crois que tu me dois un service. Tu n'es pas Mystios pour rien. Tu sais qui tu me rappelles? Moi. Enfin, il y a longtemps, bien sûr. Avant que ça, c'est pas à l'époque, hein. Et que je perde un œil. Ne change pas de sujet. Ah oui. Oui, excuse-moi. Tu as raison, je te dois la vie. Que peut faire l'humble Barnabas pour le puissant Alexios? J'ai besoin d'un navire et d'un équipage. Évidemment. Alors, évidemment. Mon navire, mon équipage et moi sommes à ton service. Merci Barnabas. Tu n'es vraiment pas d'ici. Grand Dieu, non. Et j'en remercie l'Olympe. Allez, viens avec moi voir la Drestia. Ah bah voilà. Oh. Je peux pas aller par là? Bah si, je peux. Ah non 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 non. La garde dans les environs. OK. Quand j'ai vu qu'on c'était en rouge, je me disais... Ça se trouve, il y a des ennemis. Bon, là, ça sert à rien, le cheval. Voilà. Ah, c'est ça, le bateau? Putain, c'est un gros bateau, hein. Voilà. Quand tu veux, capitaine. Ah, c'est toi, capitaine. Ah. Attends-moi, Alexios. J'ai préparé mes affaires. Tu veux vraiment venir? Si tu t'en vas, je m'en vais. Phoebe, tu es trop jeune. Je ne pourrais pas veiller tout le temps sur toi. Oh, je sais me débrouiller. Je n'ai pas besoin qu'on m'aide. Même si c'était vrai, tu restes trop jeune. Je me ferai toute petite. Allez. Si tu ne veux pas de moi, emmène Kara. Kara? C'est mon aigle et mon ami. C'est mère qui me l'a donné. Elle deviendra ton amie.
Et ce sera comme si j'étais là. Comme ça, on sera à moi. C'est tellement beau. Merci, Fouibé. Mais tu dois me faire la promesse qu'on se reverra. Mais oui. Je te le promets. On se reverra, c'est certain. D'ici là, tâche d'éviter les ennuis. Oui, ne t'en fais pas. Bon, tu peux y aller maintenant. Hé, hey, Alexios! Oh non, tu pas lui. Tu quittes Kefalonia sans dire au revoir à ton cher Marcos? Dis-moi que ce n'est pas vrai. Eh bien, tu es là, non? Alors, ce n'est pas vrai. Au revoir, Marcos. Toutes ces années à travailler ensemble, comment te remplacer? Oh, ça va, je reviendrai. Je vais sûrement le faire, mais quand même, ce n'est pas facile. Bon, allez, viens dans mes bras. D'accord, approche. Allez, vis ta vie. Mais tu vas me manquer, Alexios. Merci, Marcos. Tu me manqueras aussi. Et toi, que te réserve l'avenir? Le vin, bien sûr. Bah oui, le vignoble, hein. Sauf si les vignes se mettent à dépérir. Mais je suis toujours prêt pour une autre aventure. À propos d'aventure, j'ai un travail pour toi, Sorcelle. Une aventure? Oh oui! Elle marche déjà sur tes traces, n'est-ce pas, mon ami? Ouais, voilà, je vais faire des enfants des assassins. C'est... Prêt à prendre le large? Prépare ton navire. Il est temps de partir. Bien! Il ne faut jamais faire attendre la mer. Allons-y. Alors, où est-ce qu'on va? Vers quel endroit de ce vaste et splendide monde veut aller le puissant Alexios? Mégaris. Mégaris. Mais c'est la guerre là-bas. On m'a chargé de tuer un général. Oh, okay. Voilà, calme. On l'appelle le loup. Le loup? On veut tuer Nikolaos de Sparte? Nikolaos de Sparte? Nani. L'oracle a parlé! Pour éviter la chute de Sparte, cet enfant doit périr! Tu dois empêcher ça! Pitié! Elle ne fera aucun mal! Elle nous aidera! Elle nous guidera! Silence! Qu'il a ôté, ce n'est pas un spartiate, Nikolaos. Ne l'écoute pas, Nikolaos. Ne l'écoute pas. Non. Oh, oh non. Ne l'écoute pas, Nikolaos. C'est ton père, en fait, le loup. T'as bien intérêt à bien le tenir, hein. Père. Alexios.
Donc en fait, mes parents pensent que je suis mort. Emmène-moi en Mégaris. Vite. Je ne comprends pas. De tous les lieux baignés par Helios, pourquoi... Ouais, c'est la musique de Assassin's Creed 2. Parce que le loup de Sparte, c'est mon père. Bon bah, on va tuer un père. Il a pas l'air... choqué. Bon bah voilà. Rien ne vaut une bonne brise. On a toujours l'impression que le pont bouge comme ça. Je connais le moyen idéal pour que tu attrapes le pied marin. Ah, et qu'est-ce que c'est? Une bonne nouvelle. Pendant que le Cyclope s'occupait de moi, ces pirates ont volé ma cargaison. Mais maintenant, je connais leur navire et je sais où ils vont. On va leur reprendre tout ça? D'accord. Ce sera une bonne occasion de savoir ce que valent ton navire et ton équipage. Allez, mettons-nous bon. En route. Alors là... Voyons si les voiles ont tenu. Ok. Bon, du coup, on va... sauvegarder. Voilà. Voilà. Bah écoutez, on va le laisser par ici après avoir fini toute l'introduction, on va dire, de Assassin's Creed Odyssey. Donc là, c'est pas... On va tuer notre père, apparemment. Enfin, parce qu'un monsieur nous l'a demandé, hein. Un monsieur qui sortait de nulle part. Moi, j'ai pas vraiment compris l'introduction de ce personnage, mais quand même. Et puis, bah, voilà, bah, je vous remercie encore une fois de suivre cette série avec moi. Et puis, bah, on se voit pour la suite très bientôt. Allez, à la prochaine!